Et c'est parti pour l'épisode 2 de The Last of Us Part 1. Alors, on s'était arrêté, on avait rencontré Marlène et on venait de faire la rencontre d'Ellie. Et donc, bah, on va continuer l'aventure tranquillement. Ça, c'est une petite liste de courses. Voilà. Alors, j'avais pas fouillé la maison, mais je pense qu'il n'y a rien. Donc, épisode 2, let's go! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu m'attends? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il reste. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez, let's go. On trouve quand même bien, on trouve bien les mécaniques du 2, hein. Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. La fille est très importante. La fille d'une mille ou un truc dans le genre? Ouais, c'est ça. Ça va être encore long. Tu vas pas commencer à me saouler, on vient d'arriver, hein. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit et tu resteras près de nous. Ouais. On ne supporte pas les pas de enfants. problème. Allez, on arrête de rire. Ok, c'est parti. Ah, cette scène, elle va être aussi intense. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Allez, on est dehors. Qu'est-ce qu'il faut? Cette pluie ne va pas nous aider. Mon Dieu, mon Dieu. Les détails de la pluie, c'est ce morceau de bois qui flotte. J'ai fait bouger. Bon. Allez, let's go. Par là-haut. Aïe. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Ça commence mal. Calmez, j'appelle le cuisinier. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée! Oh, merde! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh, merde. Regarde. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors?
Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infecté. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Allez, cours! C'est parti! Allez, let's go! Et Joël, regarde pas, on n'a pas le temps là. Déjà échappé à une petite partie. Je les vois, je les vois. Ils ont dû réussir à passer. Vérifiez les tranchées. On voit rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là. Pour le contraire, on poursuit les recherches. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Ok. Tu vois quelque chose? Ok. Là, ça va se compliquer un petit peu. Alors, voyons voir. J'en ai un alors. Ok. Oh, okay. Ça c'est pareil. C'était un truc qui m'avait fasciné dans l'original, c'est que Ellie va toujours se rapprocher de Joël. Et toujours se mettre vraiment à côté. C'est... Allez, on y va. On essaye d'y aller en mode furtive. Il est passé où? Ok. Ok. Continue. On peut passer par là. Y'a rien. Ils sont là aussi. Ah, ils sont partout, hein, Ellie. Ok, il y en a un là. Lui, est-ce que je peux l'attirer? Ouais, il va venir. Ok. Ça fait un de moins. Alors, je pourrais éviter la zone, hein, mais j'ai pas envie. Parce qu'il y en a un qui nous voit de là-bas. Lui... Je peux normalement... Il va me voir.
Au pire, j'ai la... Ne paniquez pas, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Le bâtiment. Ouah, quoi? Sérieux? Ok. Ouais, j'ai pris un peu cher quand même. Hein. Okay, j'ai un... Pour l'instant, ça va. Je vais ramasser une briquette tard. Il ne voit pas. Ne perdez pas de vue. Mais casse-toi. T'es conne. Je les vois pas. T'as un visuel? Négatif. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. J'aurais me choper lui là quand même. Je pense pas qu'on puisse le choper lui. Non. Non, on peut pas le choper. Bon, c'est pas grave. Donc, on continue. Tess, tu sais par où il faut aller? Ok. Voyons ça. Ici, on est safe. Ouais, ça doit être ça. T'éloigne pas. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Sacré Joël. Personne. Ok. Je crois qu'on peut passer par là. Ouais. Effectivement. Soldats. Cible couteau en suite, Tess. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Bien sûr, tous à vos véhicules. Restez dans l'ombre.
On est en sécurité? Non. Ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Compris, chef. J'ai déjà regardé. Et j'ai trouvé. Ok, là c'est plein. C'est bon, c'est parti. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Éloigne pas. Okay. Par là. Non, y a rien. Ok. Belle petite séquence. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive tôt. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Allez, on continue, on avance. Ils sont déjà partis sans moi, les deux, là. Alors, faut m'attendre, hein. C'est moi le chef, ici. Est-ce qu'on a des briques? Oui, on a une brique. La brique, c'est la vie. Bon. Alors, c'est à ça que ces immeubles ressemblent de près. Ils sont immenses. Et lui, tu viens de bugger là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est les premières infectées. Ouais.
Pas vraiment. Ok. C'est dangereux par là, non? Super haut. Bon, voilà le capitaine. Ouais, on va devoir faire le tour. C'est le centre-ville, ça? C'était... C'est plus qu'un vaste terrain vague. Ok, donc c'est parti. Je passe par là, j'ai envie. Hé, hey, coucou. Par ici. Okay. Alors on va continuer à bien fouiller la zone. Est-ce qu'on n'a pas des petits trucs à récupérer? On va bientôt trouver des nouvelles armes et puis... Continue. Peux faire quelque chose? Contente-toi de rester avec elle. Ouais, moi je regarde. Allez, nouvelle séquence. Elle va être très intéressante. Alors, je sais plus. Est-ce que c'est là tout de suite? Ouais. Donc je vais aller voir là. Fouiller. Ok, c'est génial. Il y a vraiment rien. Ok. Ça nous fait encore quelques petits éléments pour augmenter nos armes. Sont morts en attendant les renforts. Ok. Donc on continue. Mais merde, un claqueur. Qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Ça donne ça, des années d'attente. Et alors ils sont aveugles? Si on veut, ils se repèrent au son. Comme les chauves-souris? Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi, sinon il te repère. Alors, est-ce que c'est la suite? Non. Non, 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 non. Merde. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Attention à la tête. Non, du coup, je vais aller voir en haut. Alors, les stimulants. Ok. Voilà, les stimulants. Ok. Je vais aller voir en haut quand même. Parce que je sais plus si... Ah, c'est ça. Le passage, c'est bien en bas. Mais on a ça à récupérer. Okay. Toujours rien faire.
Ok. Non. Hop. Bientôt commencer à rencontrer nos premiers infectés. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Mais non, il n'y a aucun problème. Où tu vois un problème? Ok. Let's go. Donne-moi un coup de main. OK. Pas vraiment, on a failli crever, mais bon. La vache, comment c'était tendu. Tu l'as dit. Sans blague. Pousse-toi de là, Tess. Ici, on peut... Remets-toi sur pied. C'est sympa. Merci. Allez, foutons le camp d'ici. Oh, bon sang. Okay, donc là, c'est la suite. Petite pilule. C'est tout. J'ai utilisé 1 sur 1 pour ça. Ça vaut pas le coup. Hein. Si, ça vaut le coup. Ok, impeccable. C'est parti, on continue. On va pouvoir grimper. Là-haut, regarde. Oh, oui, j'ai vu. Vide. Regarde s'il y a un moyen de passer. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. Ok. Allez, mon grand.
Packer. Ok. Donc les premiers claqueurs. Voilà, c'est fait. Plus l'air d'en avoir. Donc on va fouiller la zone. Il n'y en avait qu'un, je pense. Un peu dégueulasse vos toilettes, hein. Y a rien. Elles sont où les deux grognasses? Putain, elles m'ont même pas attendu ces connasses. Sans déconner. Ça va vraiment du connasse. Ellie, tout va bien? Ok. Je suis pissée dessus. Ça va. L'escalier est bloqué. Mais non. On fait quoi en fait? Tu fais ça. Allez. Zou. Et voilà, mesdames. Ok. Allez. On va avoir de belles séquences de jeu ici. Faut pas regarder en bas. T'es sérieuse? Allez, on regarde pas en bas. Pour ceux qui ont le vertige. Bordel, hein, je vous le dis. Hein. Est-ce que j'ai tout récupéré? Oui, normalement. Oui. Ça va aller. Oui, c'est sûr. Il faut qu'on traverse. Okay. On devrait bientôt récupérer encore une nouvelle arme, hein, je pense. Restait que deux coups, donc ça c'est bon. Lui, qu'est-ce qu'il me donne? Je vais aller voir. Je t'avais dit. Reste avec la fille. Ok. Ok. Ça, changer d'arme. Merde.
Ok. Impeccable. Allez, belle petite séquence qui va arriver. Alors, on a un coureur. On en a un ici. Oh oui, ça je prends. S'il n'y a pas de claqueur, ça va. Par contre, il va me faire chier. Est-ce qu'il m'a vu? Non. Ok. On a un claqueur. Est-ce qu'il nous reste des sûrs, hein? Il me reste un sur un. Ça va être compliqué. Wow. Je vais aller me faire le claqueur avant. Je l'avais pas vu. Il ne reste plus qu'un coup. On s'en sort bien. Ok. Ok, descendez. C'est bon, il n'y a plus personne. On les a tous eus. Ah bah finalement. Ah je sais, je sais. Excuse-moi. Alors, est-ce qu'il y a des choses à récupérer ici? Un peu de pile. Ok, y a rien. Ma santé, je suis en pleine forme. Ah, le kiff, ils l'ont repris ça, c'est génial. J'aimais bien avec Ellie dans le 2, tout cassé. Allez, on continue. On arrête de bavasser. Des petites mumus. Des petites mumus. Et c'est parti. Ok, Tess, go! Ok, tiens bon. Bah, manne-toi! Oh, j'ai que ça à faire, moi. C'est parti. Alors. Les surins, c'est la vie.
Toi. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. On est cool au niveau de la santé. Alors la suite, je crois que c'est là. Oui, c'est là. C'est bon, on peut y aller. On peut passer là. Attention. N'allons pas trop vite. Quand on aura récupéré les armes, on pourrait peut-être souffler un peu. Je vais souffler un peu. Hey, c'est toi qui parles tout le temps de se mettre au vert. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Pas cette fois. J'attends de le voir pour le voir. Par ici. Ok. Ah. Nouvelle petite séquence. Hey, par ici. Ok. Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ces types tombent comme des mouches, en ville comme à l'extérieur. Espérons qu'il reste quelqu'un au point de rendez-vous. Tout va bien se passer. De la zone de quarantaine. Tu vois, c'est pas notre type. Attends, mais... Ah, oh, 18, merde. Ah non, j'étais pas sûr, mais... Non, c'est bon. Ok. Non. Laisse-moi faire. Ça marche. Alors, la technique. Thank you.
les ai pas tous eus, mais j'en ai eu quelques-uns. Ok. Oh putain. Whoop. On va les laisser se replacer. Est-ce que j'ai de quoi faire un sur un, non? Il faudrait des petits trucs là pour... Ah, il y a un coffre. 343-78. 343-78. Des claqueurs avant. Ok, un claqueur en moins. Ok. That's good. J'ai plus de surin. Ok, ça c'est fait. Ok. On n'est pas trop mal. Le coffre 343-78. Il me reste un claqueur quelque part. Claqueur, il est où? Le problème, c'est que j'ai plus de surin.
Ok. Continue. Je crois que c'est bon. On les a tous eus. Eh, on s'en sort pas mal. Trois, 43, 78. Hein. Là, on était venu. Ah, bah, c'est le début, là, je suis bête. Ok. C'est formidable. Ok, donc là, il n'y a rien. On a tout fouillé, je pense. On va pouvoir avancer. Ok, ça c'est bon. Très bien, très bien. Let's go. On est bien sorti. Pas trop eu de victoire. Vous vous débrouillez plutôt bien tous les deux. Ah ouais. Chance. Et ça ne va pas durer. T'as vu ça? Ok, une nouvelle arme, les Molotov. On s'en sort très très bien. C'est par où, Tess? Aller dans cette direction. Est-ce qu'on peut aller voir là-bas? Non, il n'y a rien. C'est...
J'y suis allé comme un bourrin. Il y avait une autre manière de faire, mais... Sur un... Ok. Cela ressemble plus à celui qui m'a mordu. Ils ont encore un visage. Ils ont été infectés récemment. Ces soldats viennent de se transformer. C'est parti. On accélère. Je sais. T'as un truc sur ta chaussure. Dégueu. Bon, comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. Marlène pense que t'es immunisée? Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Pour te faire mordre, tu devais être dans un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. Ouais. J'avais fait le mur. J'étais dans un pensionnat militaire. T'avais fait le mur? Ouais, pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment t'y es entrée? Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Je vois. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit, elle va s'en sortir. Ok. Donc on va s'arrêter là, on va refaire un petit cut pour les VOD, et on va repartir sur l'épisode 3. Allez, je coupe 2 minutes, et je relance.